Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum. Kaif halukum? Bi khair alhamdulillah. Senang masih. Alhamdulillah. Hari ini kita faire chapitre 23, le subjonctif. Terme là, c'est compliqué, non? C'est un peu compliqué dans les leçons. Terme là, c'est une leçon, c'est un peu compliqué qu'il y a. Terme là. Mais en fait, c'est juste une appellation. C'est juste une appellation, il n'est pas aussi important que ça. Ok? Toutefois, on a remarqué qu'il subjonctif, tu as des temps là, qui leçon tu peux faire? Qui va leçon tu peux faire la dernière semaine là? Verbe. Qui verbe tu peux faire? Présent. Présent, ok? Et en arabe, comment dire présent? Al-Mudari'a. C'est bon là? Al-Mudari'a. Dans Al-Mudari'a, nous devons le subjonctif. Dans présent de Mudari'a, nous devons le subjonctif. Toutefois, moi qui me mettais, je me mets ism. Moi, je me mets ism. Je ne vais pas cause le verbe, je vais cause le ism. Qui fait? Tout simplement parce que je pourrais marquer ena en lien. Je pourrais dire ena en lien. Donc vous trouvez qu'il y a un grand point commun dans ism et dans fi'al mudari'a. Donc si je vais retourner à ism, inchallah il faut aider pour plus comprendre mudari'a. Alors, est-ce que je vous rappelle ism et a quatre caractéristiques? 1, 2, 3, 4. Je vous rappelle qu'il y a ces quatre caractéristiques-là. Un n'est capable d'être défini, indéfini. Définite, souvent nous trouvons les points elle et indéfinite, souvent nous disons les points ten, lui. N'est-ce pas? C'est bon? Elle qui tabou, ici qui taboun. Ici, elle qui tab, ici qui tabun. Elle qui tabi, lui qui tabi. Très bien. Deuxième, nous disons qu'il y a un gender. Qui est un gender qui est là? Masculin et féminin. C'est bon. Nous continuons. Troisième, qui nous dit qu'il y en a? Number. Qui number y en a? Singulier, duel, pluriel. Facile. Qui sont les quatrièmes caractéristiques? Hal. Et n'a pas dit à moi, kiss. Ok, nous allons appeler hal. On appelle hal. Je vous rappelle, il y en a un hal. Ok? Le cas de hal, le cas de hal. Combien de hal y en a? Trois hal. Je vous rappelle, il y en a trois hal. Allez, trois halets pour ici là. Un, deux, trois. C'est bon? Trois halets. Qu'est-ce que tu as pas dit mal sur halets? Nominatif. Après. Accusatif. Et puis. Génitif. Est-ce que c'est bon? Nominatif, accusatif, génitif. Demandez-moi attention, plein de choses à vous de ce côté. C'est bon? Mais, qui m'a dit ça? Je fais rappeler nominatif, accusatif, génitif. Je te rappelle que c'est une question appellation. Moi, vous savez, moi, je m'appelle lui. Paul, Pierre, Zach. Moi, vous savez, je m'appelle Paul, Pierre, Zach. Donc, il n'est pas important, ça, ce nom nominatif, accusatif, génitif. C'est une appellation. En arabe, comment on appelle lui? Malfour. En arabe, on appelle lui Malfour. Adjectif qu'on appelle Mansoub. Mansoub. Et c'est là qu'on appelle Majrour. Vous devez être dans le temps, Inch'Allah. Marfour, Mansoub, Majrour. Ça se rappelle. Allez, redemande de l'attention. Je te rappelle qui? Allez, notez si vous avez besoin de. Je te rappelle Malfour, normalement comment il termine? Ouf. C'est la même qui m'appelle Malfour. Mansoub, normalement comment il termine? Normalement qui termine pas, elle m'appelle Mansoub. Et Majrour, comment il termine? I. Voilà. Ça je te rappelle. Donc, nous rappelle qui un isme qui termine pas ou, ou soit un isme qui termine pas E, ou soit un isme qui termine pas I. L'exemple. Kitabun, kitabun, kitabin. N'est-ce pas? Masjidun, masjidun, masjidin. Ok là? Nous continuons. Et je te rappelle aussi qu'il y a une cause.
في نمانكوز كيف اللي عندهم مج رول عندهم حالة لا إن مانكوز كيف اللي عندهم حالة من سو. لإكزام ici quand il y a une préposition il y a une مج رول. ici quand il y a un objet ou soit quand il y a un اسم إن أو soit خبر كان il y a une من سو. ici souvent on utilise by default ou soit par le subject. C'est bon. Allez, rappelez ça. مرفوع من سو. Nous pourrions marquer qu'il fait le al-mudari aussi. Il fait al-mudari aussi en halat. Il fait al-mudari aussi en halat. Et dans ce man halat, il y en a malfour et il y en a malsou. Par contre, les pénames à jour, il y en a l'ul. Je dois nous guider, Inch'Allah. M'aurait dire? M'aurait dire. Nous pourrions marquer qu'il parlait comment? Ism. Pareil comment ism. Elle fait la mudaria présent en arabe et n'a trois halettes. Et ce trois halettes, elle n'a appelé mal four. Elle n'a appelé mal soub. Elle n'a appelé mal nom. Ok? Allez, question qui me pose. Est-ce qu'elle est assez bon à travailler tout ça? Me pose une question. D'après ça, quand elle fait la mudaria, les pour mal four, comment les bouter amis? Évidemment pas, ou à cause ça même avec mal. D'après ça, quand elle vient le mudari avec le mansoub, pour qui l'écoute à mille? À cause ça même avec le mansoub. Après, il y a un autre halet, il doit, inshallah, le voir. C'est bon? Allez, moi les autres, le tchat. Allez, maintenant, nous retournons à van vert. Faire l'escalier, c'est d'accord, nous faire un mari. Nous faire un mari. Encore qui nous faire? Très bien. Al-Mudor, Vela. Et tu as un troisième, je sais que quand vous faites, mais Inch'Allah nous faites, qui est de sa troisième là? Al-Amr. Donc, mari, nous, maintenant, nous traduisons les propos, tens. Mudor, il y a des fois, nous disons present and future. C'est ça. Et Amr, nous disons impératif. Dans ma vie, je te rappelle qui me fait dans ma vie. Est-ce que je te rappelle dans ma vie, me tu fais ma'loum et majhoul? Donc, c'est un terme arabe là. En deux mots, actif, passif. Tu te rappelles que je te rappelle dans ma vie? Là, la même qui me fait la passive, comment les vies? Ou I. Je te rappelle. Mais présent aussi, puena, actif et passif. Ça, plutôt, Inch'Allah, ne peut faire. Amr aussi, plutôt, Inch'Allah, ne peut faire. Mais qui nous remarque dans Moudaria? Nous pouvons remarquer une affaire dans Moudaria. Qui dans Mari, Pena. Nous pouvons remarquer une affaire dans Moudaria. Qui dans Mari, Pena. Vous voyez, suivant? Nous pouvons remarquer qui dans Moudaria, Yena Halet. مدارع إن حالت إذا حالتنا تلنا نتجيه مر فور سألت حالت كيف يدي؟ منصوب فأقول ما تجيه سألت حالتنا لبينا مجرور لبينا كي ينا لي؟ ينا مج زور ينا مج زور أل سي بون؟ Mari, pena trois halet. Pena. Mudaria, il y en a trois halet. Un appel malfour, un appel mansoub, un appel majzoub. Est-ce que c'est bon? D'après cette malfour, comment les terminer? Comment les terminer? Où? D'après cette mansoub, comment les terminer? D'après cette majzoub, comment les terminer? Les papas ne terminent pas. I. D'après cette qui fait? Si il s'agit pas I, qui nous fait? Je vais appeler l'image lourd. Et moi, j'ai caché ta dent. Votre racine, je vous gagne. Jazam. Quand je vais apprendre un petit peu, tu n'as pas dit Jazam? Qui est-ce que c'est Jazam? Souboun. Des fois, on dit Jazam, des fois, on dit Souboun. En deux mots, c'est l'image Jazam, mais il ne termine pas Jazam. Termine pas Jazam, il ne termine pas Souboun. Voilà. C'est bon? Allez, on va les aider avec ça.
Comprends-tu? C'est la question. Pas hésiter, demande-moi. Alors, maintenant, en arabe, on appelle lui halat même. Pareil, moi, je dis ism et na halat. Je dis le fi'l al-mudari et na halat. Par contre, en anglais, je dis ma noun et na case et ma fi'l et na mood. Ok? Moi, je dis tout simplement dire halat. Ism, halat, fi'l, halat. Deuxième complication côté anglais. Anglais appelé pour ism, il appelé case, il y a une case nominative, objective, genitive. À qualifier un verbe, anglais dit ça, on appelle ça indicative, ça on appelle ça subjunctive, ça on appelle ça jussive. Mauricien, moi tu me dis, moi tant que mon col mauricien pareil, moi arabe. Pour un nom, je vais appeler Paul Pierre, ça. Pour un verbe aussi, je vais faire Paul Pierre, ça. Pareil comme arabe. Arabe, il appelle toujours Meul, pour. Il appelle toujours Meul, pour. Ok, là. Allez. Ce Meul, pour, nous disons qu'il n'y a pas. Où? Il n'y a pas. Ok. Rappelez. Pour un isme, tu dis, by default, je n'y a pas. Je ne mets pas. Je n'y a pas. Où? Arabe aussi. Excuse-moi. Verbe aussi. By default, il ne termine pas ou. By default, il ne termine pas ou. Bizarrement, cause qui fait qu'il ne termine pas e. Aujourd'hui, vous pouvez mettre ça inshallah. Et ça n'a pas appelé indicatif, ça n'a pas appelé subjunctif. Mais j'ai une leçon aujourd'hui, c'est ça une leçon. Ok, une leçon peut être aujourd'hui. Subjunctive. C'est cinq leçons aujourd'hui. Claire? Vous avez répondu à la question là, Junet? Vous avez répondu à la question là? Quelle question est-ce que vous avez répondu? Genitive. Mais non, arabe, on appelle ça, on appelle indicative. En anglais, indicative? Indicative. En anglais, subjunctive. En anglais, jussive. C'est bon? Oui, c'est la Houda. Voilà, mashallah. C'est la Houda, dis nous, tout ça, ton lac, qu'est-ce que je vais faire? Tout ça, ton lac, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mal, four. Tout ça, ton lac, qu'est-ce que je vais faire? Mal, four. Nominatif, mais plus précisément, on aurait appelé indiqué, tip. Mais moi, je vais dire, au lieu d'être indiqué, tip, ça va dire mal, four. Et si tu as mal, so, c'est facile. Arabe, là, beaucoup plus pratique. Bismillahirrahmanirrahim. Je vais faire un modèle. Toutefois, en braquette, je vais mettre mal four. Je vais conjuguer pour mal four. Je vais singular, dual, plural. Ça veut dire que tu as fait. Je vais prendre au passé. Toutefois, sur le modèle, pour conjuguer, je vais dire yak tu peux. Parce que modèle présent, préfixe. Allez, nous continuons. Sur le ça. Yak tu peux, comment tu veux. Très bien. Yaktuban. Yaktubani. Normalement, yaktubani. Hum, c'est Zainab. Très bien, mashallah. Yaktubuna. Yaktubuna. Nous continuons. C'est Amira. Qui est? Mashallah. Taktubu. Taktubu. C'est un asim, comment? Masha'Allah. Taktubani. Nous venons sur Sajida. Bismillah. Kunna. Voilà. Et ce préfixe sans E. Nous venons sur Yaktubna. Je rappelle ça. Ta, mais pas pour Kunna, nous venons sur Yaktubna. Nous disons une chose qui est spéciale. Nous continuons. Un te, sœur Adida. Très bien, pareil, dit toujours te. Tu, bou. Sœur Zinel, un touma. Te, tu, ban. Il faut prendre ce, un. Te, tu, bani. Ok? Sœur Salma, un tou. Te, tu,
Très très bien. Top. Tubuna. Très très bien. Top tubuna. Anti. Frère Ressal. Anti. Non. Top tubina. Top tubina. Top tubina. Frère Ressal. Antuma. Top. Super, super. Top to bani. Ok, frère Kassam. Plus précisément, top to na. Top to na. Ok, frère Junaid, Anna. Super, super. Ok. Bu, très Farhan, nahnu. Très très bien, nak. Tu bu, très Nasib, déjà nahnu qui vini. Super, super, nak. Tu bu. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Nak tu bu. Allez, maintenant, demandez de l'attention. Ça n'est tout simplement conjugué, là, il y a un site très bien, pas grave, hein, mais je vais garder suivi. Nous conjuguons modoré pour mal four. Et nous disons que mal four, normalement, nous appelons mal four parce qu'il termine par ou. On appelle mal four parce qu'il termine par ou. Est-ce que réellement je vais trouver qu'il termine par ou? Non, c'est un D. C'est un D qui termine par ou. Allez, ça veut dire que comment il termine? Ou ou bien une. Ok, en cours. Annie. Ok, donc c'est vraiment ou soit une, c'est vraiment ou soit une, ou soit ani. Comment je t'en pourrais? Ina. Ok, mais si moi je suis capable de concise votre réponse, je suis capable de concise votre réponse, limite votre réponse, asis D. Je te dis vraiment ou une, ani. Ina, vous avez juste 4 réponses, moi c'est des réponses. Là, je demande 4, c'est des. Et peut-être moi, je demande 4 réponses, c'est des. Ou? Non, ou? Il y en a un indien, voilà. Ouna. Si vous demandez ouna, ça va pas mon talon. Si moi, je demande. Non, non. Voilà. Donc, moi, je demande, je ne termine pas ou? Et je ne termine pas non. Maman, je dis qu'il termine pas ou et il termine pas nous. Est-ce que vous êtes suivant? Either ou. Either ou. Très très bien. Très très bien, frère Richard. Il termine pas ou soit il termine pas nous. Either ou. Nous gagnons un coup. Et c'est comment il termine? Ici. Non. Pas de dire non. Parce que pour un moment, il est ni. Donc, il dit non. Ici. Ou. Ici. Non. Ou. Non. Ou. Donc, vous avez remarqué qu'il termine des façons. Nous ne pouvons pas dire des façons qu'il est terminé. Elle ne termine pas ou. Elle ne termine pas non. Mais quand on dit aujourd'hui, nous laissons c'est pas mal four, mais nous laissons c'est subjunctive. C'est mal saut. Ok? Qui va arriver sa terminaison là pour sans. Sa terminaison à tout, sans l'autre. C'est tout. Alors, je vais vous donner un petit espace pour écrire. Il est bien simple. Mal four. Un côté mal four. Un côté mal. Sauf. Nous disons mal four, on détermine soit pas ou, soit pas non. Ok? À ce niveau de mensonge, comment vous terminez? D'abord, le mensonge, où qui vous venez? Facile. Où qui vous venez? Ok, c'est un assez, par exemple, je fais nominatif, accusé, et accusatif, tu termines pas? Mensonge, tu termines pas? Est-ce que c'est bon? Nous continuons, mais quand vous terminez pas, quand on dit où, il vous venez? Quand on dit où, il vous venez? Quand on dit où, il vous venez?
Mais quand on dit noun qui peut arriver. Quand on dit noun qui peut arriver. Voilà. Simple, bien simple. Quand il y a noun, noun peut tomber. Est-ce que vous me suivez moi? Quand il y a noun, noun peut tomber. Allez, moi j'ai un troisième élément. Dix trois éléments, moi vous dites là. Premier élément, nous dire qui Malfour détermine soit pas ou soit pas non. Et nous dit attendez ou Mansoub ou bien up. Deuxième affaire, nous dit quand il termine pas non, Mansoub qui va arriver, non ou tomber. Ça va pas. Ok, rappelez-vous, pena un fait qui t'as proto, ok, pena un fait qui t'as proto, pena un fait qui tomber. Donc, non qui va arriver ou tomber. Troisième élément, remorquez, Nina, un, quand il vient duel, nous allons vite, un, quand il du, duel. Quand il pleut bien, nous allons vite, on. Par contre, nous avons une exception pour féminin pluriel. Féminin pluriel, nous parlons de on. Féminin pluriel, nous parlons de on. Nous mettons 10, 9. Nous mettons 10, 9. Est-ce que tu m'as? Ça dénoue là, est spécial. Comme vous dites, si vous m'en suivez, est spécial. Nous avons une expérience un peu exceptionnelle, nous m'en là. Donc, juste pour ça dénoue, féminin pluriel là, ça dénoue là, je ne veux pas tomber. Féminin pluriel, ce nom, pas tomber. Après ça, tu vas dire ce nom, tomber. Troisième élément. C'est bon? Trois éléments. Ou, bien, un, nom, tomber. Troisième point. Non féminin pluriel, bâton, B. Jusqu'au fini. Ok? Mais toutefois, nous laissons aujourd'hui, c'est pas mal fort. Nous laissons c'est mal sourd. Vous voyez là? Nous laissons c'est. Mal sourd. En deux, mots. Il n'est pas pour terminer pas E, pour qu'il puisse terminer. Excusez-moi, il n'est pas pour terminer pas OU, pour qu'il puisse terminer. E. Ok, va garder. Il n'est pas pour terminer pas OU, il termine pas E. Et si arrivé, il y a un nom qui parle de nom. Tomber. Et faire attention. Mais quand il peut écrire, faire attention. Il faut deviner un peu difficile ça. Dépêchez-moi cette attention, s'il vous plaît. Des fois, nous trouver OU, ou soit nous trouver E. Quand nous trouve E, nous facile identifier que c'est mal sourd. Parce que nous pouvons trouver et que nous lisions, nous pouvons trouver un. Par contre, quand nous tombons, il y a un petit peu de tricky. Parce qu'il y a besoin d'un problème, si vous trouvez un nom avec un gars comme ça. Ok, par quoi il y a un. Mais c'est tout simplement par quoi il y a un nom là. Même il y a un petit peu de tricky. Quand il y a un nom, il y a un petit peu de tricky. Pour ça, je trouve ceci bien. Par contre, ça, c'est l'absence d'un nom. Ici, c'est la présence de un. Présence de un, nous oublions pendant que ça là, c'est l'absence de nous. Nous avons fait tricky. Donc, nous avons fait tricky. Nous continuons. Allez, nous venons à faire ça. Il y a plus beau qui vous venez. Il y a plus beau. Masha Allah. Il y a plus beau, il y a plus beau. Il y a plus ban, frère Kadea. Il y a plus ban. Masha Allah. Masha Allah. Il y a plus bah, vous avez prononcé bien, il y a tout, bah, nous venons chez Kouda, il y a tout bon, il y a tout beau, c'est vous avez prononcé très bien, il y a tout beau, pas dire il y a tout beau, hein, il y a tout beau. Ah, dis-moi ce même qui nous vous faites après eux. Vous avez un respect moins grand du monde, ok? Voilà, vous avez un respect moins grand du monde, même si à ce sofa nous devient. Batin, parce qu'il wow, and give up, il va rester seul, il va venir, batin. Nous continuons, mais quand nous venons, il y a pareil, il reste, il y a tout, vous. Et vous voyez, les petits tricky, ça n'a là? Et ça n'a là, vous trouvez ce, ça n'a là, non? Ce nom est tombé. Ça n'a donc, ce nom est tombé. Ok? Nous continuons, c'est Raisa, top to vous. Top to, but. C'est bon, ma prêcheur? Top to, but. Zainab, top to bani. Très bien, top to bani. Nous continuons? Nous continuons. Amira, yap to bna.
Masya Allah, Masya Allah. Vous entendez, monsieur Amidia? L'Iris, Paris, ça m'a spécial ça, ok? Malfour, Yabtoubna, Mansour, Yabtoubna. Correct là, ça m'a spécial. Nous continuons. Je vais tout sur Nassim. Un tatap tubou qui vous venez sur Nassim. Masha Allah, c'est un ancien. Top tube. Je viens sur Sajida. Un tuma top tube à Annie. Un tuma top tube. Bah, simplement du tien. Non. Sur Ajida. Un tum top tube ou non. Très bien. Un tum top tube. Un tum top tube. Tout simplement du tien. Non. Sur Nassim, qui nous donne Frenes. Frenes. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Elle est frigue. Elle est un bâti. Nous continuons. Je vais mettre ça surtout là. Non, ici là. C'est la zinette, n'est-ce pas? C'est la zinette. Un petit tap de bine. Il est bon, très très bien. Tap de bine. Mais dès qu'il va arriver là, hein? Dès qu'il va arriver. Tap de bine, non tombé. Mais dans non tombé, est-ce que vous pouvez travailler comme ça? Voilà, frère, sœur, c'est la communication ici, là. Donc, mais la signature, ok? N'allez pas ma faute, n'allez pas ici sortir. Top 2, B. Comprends? Allez, le vento, sœur Salma. Un tuma, top 2, Bani. Très, très bien, sœur Salma. Top 2, Bani. Nous continuons, frère, Richard. Frère Richard, il y a nous reste. Paris, Bani, sœur, spécial. Nous continuons? Alain, Octubo, frère Richard. Octubo, Octubo. Super, super. Octubo. Nafnoun, Octubo, frère Kassam. Octubo, si vous prononcez bien, Octubo. Octubo. Frère Dunay, Nafnoun, Octubo. Octubo. Est-ce que c'est bon? Donc jusqu'ici, c'est ce qu'il nous fait, hein? Nous disons qu'il fait un mot d'ordre et a trois halettes. Dans sa trois halettes, là, nous finissons tout ça temps. Là, c'est ce que nous devons faire. Nous devons faire mal, four. Et aujourd'hui, nous devons faire mal, saut. Plus tard, Inch'Allah, nous faisons ce troisième halette. Et nous disons qu'il dans mal, saut, il termine par E, ou soit ce nom, tombé. Troisième, tout ça, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui là? Troisième impôt, troisième point qui nous a guéri aujourd'hui, c'est quoi? L'exemple, oui, avant de rentrer dans définition, nous avons dans l'exemple, avant de rentrer dans l'exemple, d'après vous. Verbe irrégulier. Voilà. Pareil, moi, quand je fais mal ici, je ne vais pas dire, mais quand il est accusatif, quand il est mal, sous. Parce qu'il by default, dit mal four. Verbe modorien aussi, by default, dit mal four. À cause de ça, tout ça, dans l'âme, je vais faire mal four. Maintenant, il est besoin de dire, mais quand, ou soit qui fait, quand, ou soit qui fait, il est mal. Sauve. Est-ce que c'est bon? Vous avez écrit? Vous avez pas ça? Vous avez trouvé l'espace? Allez. Nous dorions les escaliers, le présent nous dit, il y a un mal four, il y a un mal sauve. Puis quand vous êtes sur le troisième palette, mal four, nous dit, il ne termine pas où? Vous voyez, il ne termine pas? Non. Il ne termine pas? Non. Mal sauve, comment il termine? Où soit? Without, non. Ce non tombe. Dernier élément que nous devons dire maintenant, mais quand est-ce que les bimbal sont? Prenez les diapos, quand est-ce que les bimbal four? Quand? By default. Assez les bimbal, quand est-ce que les bimbal sont? Alors, dites-moi bien, normalement, c'est quand il y a un ban control less. Normalement, c'est quand il y a un ban control less. Nous allons prendre ban control less là maintenant, ok? Man control là, ça c'est Mena un Mena l'un Mena li Mena kei Mena hatta et Mena iban. Et nous avons un idem. Et, mettez-moi cette attention, s'il vous plaît. Un, normalement, nous traduisons par that. Souvent, nous traduisons par that.
souvent. L'un ne traduit pas, l'un veut dire négatif. Dites-moi bien là, hein? Dites-moi bien. L'un veut dire négatif. Mais c'est un négatif qui envoie présent là dans le futur. Par exemple, il peut dire l'un yashrab, il peut dire he is not drinking. Il veut dire he will not drink. He will not drink. Donc c'est négatif futur. L'un c'est négatif futur. Moi, au lieu de dire négatif futur, je vais traduire par will. Non, fini. Fini. En deux mots, l'un veut dire will. Non, fini. C'est bon? Aussi simple que ça. Bien aussi pratique que ça. L'un veut dire will not. Li, je te rappelle que tu veux dire li? Oui. Faux. Li veut dire faux. Qu'est-ce veut dire faux? Ou soit il veut dire ce, that. Qu'est-ce veut dire faux? Ou soit ce, that. Afin que. Afin que. Et hatta veut dire until. Ou soit il veut dire ce, that. Pas au moment. Pas au moment, il veut dire until. Pas au moment, il veut dire ce, that. Even veut dire then. Even, pardon, il y avait moi anglais, moi dire even then. Even then. Et là. C'est bon? Allez, nous faisons un petit exemple. Nous faisons un petit exemple. Si moi je yosh, le, bout. Si arrivé yosh, le bout est contrôlé par un. Si arrivé yosh, le bout est contrôlé par un. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, un, yosh. Le, c'est bon? Lui fait un deux. Lui fait un qui termine par nous. Si arrivé, nous avons yes, ou soit test, du, do, nan. Test, du, do, nan. Si arrivé avant test, du, do, nan, et là, nous voyons lesquels sont les points là-dedans. Quel? Okay. Donc, nous prenons quel? Allez, nous prenons quel? Il vous dit K, après il vous dit. Il y a un même. Très bien. Donc, nous n'avons pas tombé. Normalement, nous mettons un bâtiment. Voilà. Ok? Un dernier affaire pour Jésus. Un dernier affaire pour Jésus en termes de théorie. Après, nous avons vu nos pratiques. Et la fois, ça m'a contrôlé. Je te suivi avec un négatif. C'est un contrôleur, là, c'est suivi d'un négatif. Négatif, là, comment vous là, vous là. Négatif, là, comment vous là. Par exemple, il vient un, là. Et on peut jouer dans un. Il vient subjunctif, il vient manso. Et la fois, il vient qu'il, là. Et la fois, il vient qu'il, là. Et on peut jouer dans qu'il. On peut jouer dans qu'il. Donc, il vient subjunctif, il vient manso. C'est tout. Ok? Bichon bien. Est-ce qu'il n'a pas voulu parler là? Tout en lui, on va parler là. Non, non. Et la fois, vous dire. Et la fois, je capable de négatif. Et la fois, je capable de négatif. Mais comment je vais négatif? Je vais un là. Et la fois, il existe un. Et la fois, il existe quel. Et la fois, il va venir un là. Mais il vous reste toujours mal sauf. Et la fois, il vient quel là. Il vous reste toujours mal sauf. Et tu as encore un élément, oui. Voilà. Dernière étude importante, de vous apprendre les. Comment vous apprendre les? Facile. Moi, ce qu'il faut faire, c'est que je vais vous apprendre la musique. Un, l'un, li, kei, hata, even. Ce tempo, tu fais doucement, doucement. Ce rythme, tu fais doucement. Un, l'un, li, kei, hata, even. Un, l'un, li, ok, حتى إذا نفس النمط تنبو لا أنني كي حتى إذا أنني كي حتى إذا أنني كي حتى إذا أباني بو كي يعني في من الناميزيك يبغى يستي إن شاء الله أوكى أباني فيني سو فيني كاني ما أنت ناميزيك أنني كي حتى إذا أنني كي حتى إذا إذا بقول لك ناميزيك أوكى بس كده سمعت كل شيء بوان نورمالمون كل فيها أن quand vous faites les vins négatifs, si arrivé maintenant un,
Après, nous avons la. Ne pas dire un la. Normalement, on y fait la liaison. Un plus la. Libin. La. Ok? Kay plus la. Kay plus la. Ça n'a pas facile, Libin. Kay. Kay la. Un plus la. Al la. Ok? Voilà, donc ayat exactement mon frère Ressad peut dire dans le Coran, nous vous trouvons ici, nous vous trouvons ça nous. Nous vous trouvons ça combine forme là. Et des fois nous gagnons li, plus un, plus la. Vous suivez-moi? Divine pareil, divine li, al, la. Li, al, la. Excuse-moi, non. Li plus un plus la. Un la, vous voyez, li, un la. Mais tout simplement, ce façon qui est créée, bien un petit peu compliqué, les mêmes. Li, un la, vous comme ça. Li, un. Après, les mêmes paroles. Li, un la. Ok? Ça, c'est le bout d'un pour un, nous avons tout ça combined formula.